forever. Let's do King Julian style. Salutations les lémures, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre 43e épisode. Alors je suis parti farmer un petit peu en attendant que mon générateur se remplisse gentiment. Là j'ai du minerai qui est sorti. Ah, il s'est éteint, j'ai tout dépensé, donc il est en train de recharger. Ça tourne pas mal. Et regardez ce que j'ai trouvé juste ici. Une petite caisse bien grande et bien imposante. Donc je vais vite retourner à la maison chercher mon lockpit. Et on va venir se l'ouvrir. Ce que j'aimerais aussi faire, c'est qu'on s'installe une espèce de garde-chasse, comme on l'avait dit la dernière fois, là, pour... Si jamais je suis amené à sortir de la maison, à aller chasser, que je puisse me percher quelque part pour pas être en danger. Et que j'ai aussi un petit feu posé à côté pour cuisiner, histoire de passer la nuit dehors au chaud. Et de pas me taper des allers-retours à la maison. Donc on va essayer de faire tout ça en attendant que l'énergie remonte pour faire le plat et notre station de plongée. Et une fois que tout ça ce sera bon, et bien ma foi ce sera nickel. Donc là, je prends mon lockpit et on se retrouve devant le coffre. Ok, je suis revenu en courant. Malheureusement, maintenant, j'ai plus d'énergie. Me dites pas que la caisse a des pop. Non, elle est là. Je vais vite me dépêcher de l'ouvrir avant qu'elle ne finisse par disparaître. J'espère que dedans, si on a une corde, franchement, ça me sauve la vie. Ah, il y a du tendon. C'est tout aussi bien. Je vais pouvoir en faire deux, hein. Je vais pouvoir en faire deux et en plus avec la corde, ouais, je peux faire deux grosses cordes, c'est nickel. J'ai des plaques de verre en plus. Un petit peu de minerai de munitions, franchement c'est cool. Ce qui va m'éviter de devoir aller chasser un cerf. Et là on peut se faire notre station de plongée. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Alors par contre c'est juste l'énergie qui va manquer. Donc au pire des cas, je vais peut-être pas me mettre à chasser du lapin. Là j'ai rechargé... J'ai entendu grogner là. J'ai un doute. Je sais pas si c'est par là. Ah, ça peut peut-être pas être l'ours quand même. Il est trop loin. Donc là c'est cool. On va aller se faire nos cordes. On va tout préparer. Et puis en attendant que ça se lance, on va quand même aller à la chasse. Et je vais fabriquer un plancher, un escalier pour installer notre petite structure. Quitte à refaire un feu. Alors je sais qu'au bout d'un moment il va dépop le feu. Mais au moins il sera là. À moins que je l'installe que quand j'en aurai besoin. Mais dans ce cas-là, Attendez, je vais voir les composants pour faire un feu à la maison. Parce que si je fais ça en plein milieu et qu'il y a des bandits qui se pointent, c'est pas la peine. Ok, nous voici, nous voilà en rentrée à la base. Alors ce que je vais faire, c'est que déjà je vais voir pour le feu. Ouais, il faut quoi? Juste genre 4 bâtons, ça se trouve dans la nature. Le plus chiant, ça risque de faire l'allume-feu. Au pire des cas, le feu, je le ferai sur place, mais je me promènerai tout le temps avec un allume-feu. Je vais peut-être devoir me refaire quelques planches parce que j'en ai pas des masses. D'ailleurs, j'en ai récupéré deux là aussi. Au niveau de la corde, et je vais faire tout ce que je peux. Au niveau des tendons, j'en ai 4. Mais malheureusement, ouais, si, je peux en refaire encore une à la rigueur. Je peux me refaire, ça me fera 3 cordes et il me restera un tendon pour au pire des cas... crafter un item là, je sais pas ce qu'il faut avec un tendon, je sais même pas si il y a moyen de crafter un truc avec un tendon. Alors je sais que pour améliorer, par contre, il faut de la corde. Là il me faudrait genre 4 tendons pour la vitesse de rechargement, taille du chargeur et puissance de feu. Ouais, je pense que le primordial c'est la puissance de feu, hein. Et pour le pompe, ouais, il faudrait genre 3 cordes, du tendon pour la vitesse de rechargement. Mais ça, c'est vraiment le dernier de mes soucis, la vitesse de rechargement. Ce qu'il faut surtout, c'est la puissance de riposte. On m'a dit aussi. Merci. C'est de me faire un Kevlar. Mais voilà, il faut 3 cordes. Donc, entre me faire un Kevlar et aller à la pêche... monsieur 59, là... Je préfère aller faire pouf pouf avec les poissons, comme je te l'ai dit. Donc là, on a nos cordes. Ok. Et j'ai mes plaques d'ailleurs qui sont ici. Je sais même pas si je vais pouvoir me lancer ça. Donc il me faudrait aussi 5 tissus. On va tout préparer, hein, de toute façon.
5 tissus. Mes plaques de verre, je vais peut-être les ranger. Voilà, merci bien. Ouais, qu'est-ce que j'aurais d'autre à mettre là? Je crois que c'est tout. Hein. Ah, ce que je peux peut-être faire par contre, c'est balancer ça là et le laisser allumer surtout. Ah, d'ailleurs, vu que j'ai 3 petites herbes, et je vais en relancer un. Je vais peut-être prendre mes clous, mes planches. Voilà, et je vais balancer mon cuivre ici. Et je sais pas du tout à combien on est au niveau de l'énergie. Je suis à combien? Ouais, on est à 1260. Ok, donc là je pourrais aussi me faire le plat. Et bien qu'il manque un petit peu de masse. Donc à la rigueur, on va en convertir un petit peu. Histoire de passer à 250, faudrait pas que mon niveau de... mon niveau redescende, parce qu'à la rigueur, ça je peux le faire après. Et je peux peut-être aller farmer d'abord pour aller faire glouglou avec les poissons et voir un petit peu ce que ça donne. Ou alors je vais d'abord me faire mon plat. Et ensuite je vais faire glouglou avec les poissons pour qu'on ait le temps de s'installer notre petit garde-chasse. Ouais, le minerai c'est ici que je veux ranger. Voilà, parfait. Donc ça je vais pas le rallumer. D'ailleurs je vais le bloquer pour éviter de faire une boulette. Donc il me fallait ça. J'ai une graine et je vais la ranger aussi. Merci. Ah, je suis en train de mourir de soif. Ok. Ok, j'ai compris. Je vais m'hydrater un petit coup là. Ah, d'ailleurs, il faudrait que j'évite de trop courir. Parce qu'après, je vais plus avoir d'énergie. Et je crois que niveau bouffe, c'est un peu limite. Et il me manquerait une gourde d'eau. Elle est passée où? Elle est là. Ok. Ah bah écoutez, je vais me la siffler aussi. Ok, je me remets bien là, je me remets d'aplomb. Et on se retrouve pour se balancer pour se fabriquer notre matériel de plongée et des bouteilles d'oxygène. Ok les murs, j'ai tout préparé pour se faire notre petit garde-chasse. Le seul problème c'est que tout à l'heure j'ai oublié d'éteindre mon énergie. Donc je suis redescendu à fond les marrons là. Faut que je remette un petit peu de matière. Non, c'est pas ça que je vais allumer, c'est l'autre là. Donne-moi le générateur. Ah, je suis obligé de refaire passer. Donc on se retrouve au petit jour là. Histoire que... histoire que l'énergie remonte tout simplement, parce qu'on est un peu dans le caca là. J'ai récupéré un poulet, je vais le prendre avant qu'il meure. Enfin, qu'il crame surtout. Et puis, voilà, écoutez, j'ai fait mes deux petits planchers en attendant que l'énergie se repointe. On va aller poser nos structures pour la chasse demain matin. Et puis voilà, là au moins il y a tout qui est prêt pour la pour le plat, pour la station service. Et puis je vais aussi essayer de mettre de côté 4 de corde et 16 de zinc. Donc c'est parti. Ok les murs, le jour se lève, je me suis fait mon petit déj là, on va se manger ça maintenant, comme ça, ça va nous rehausser un peu. Ok, parfait, santé augmentée, j'accepte, je veux... Oulé, putain, c'est pas possible. Ah, t'es sérieux? Et genre, ça lui va pas dans la tête là. Attendez, il gêne, je peux pas... Mais bouge pas, ouais. Qu'est-ce qui bouge? Vas-y, bouge plus là. Un petit bandage. Ah, bouge pas. Ok.
Allez, bouge pas. Merci. Il est où le suivant? Il est où le dernier là? Enfoiré va. Ok, je vais. De toute façon, je crois que j'ai plus de flèches. Comme ça, c'est réglé. Par contre, je vais taper leurs deux sacs là. Ah ouais. Putain, ils m'ont filé. Ils m'ont rien filé de bien quoi. Et elle est où ma deuxième poule? Elle est là. Ah, j'ai plus de flèches, bande d'enfoirés quoi. Ils m'ont défoncé mon mur. Et le dernier, il est pas mort. Est-ce que je peux récupérer mes flèches d'en haut? Si je peux, je vais le faire. Hein. Allez, mes petites flèches. Là. Ouais, donne. Je sais pas où c'est. Ah là. La deuxième, elle est là. Ok. Ah, je suis en train de me noyer par contre. Ah ouais, il est relou quoi. Ah ouais, je suis dégoûté. Ah, pour aller chasser l'ours, je vais m'éclater maintenant. Ah, ils sont pas sérieux. Ah, c'est le pire moment quoi. Vas-y, je vais aller foutre un verre dans ma... dans ma petite maison à animaux. Je crois que d'ailleurs, en plus, faut que je les répare. Ouais, ça va tenir je sais pas combien de temps, là. Plutôt comme ça. Je crois que là, il y a assez. Et je vais aller en remettre un dans l'autre, en espérant que je me refasse pas attaquer entre-temps. J'ai plus de bandage, faut que j'en reprenne. Et moi qui comptais sortir aujourd'hui, il pleut. Ça va être génial, on va cailler sous la pluie. C'est magnifique. Je vous avoue, c'est magnifique. Ok. Maison 15, s'il te plaît, par contre. Divisé 1. Ah ouais, non, ça veut pas les... ça prend pas les verres. Pourtant, les poules, ça bouffe bien des asticots, non? Ouais, ils sont sérieux ou quoi? Alors, par contre, je peux les foutre dans ma maison. Mais je peux pas les mettre en tant qu'appât, quoi. C'est n'importe quoi. C'est un peu... ouais, c'est un peu ridicule. Allez, vas-y, mangez, bah, mangez les 4, hein, comme ça, c'est fait. Moi, je vais récupérer ça. Tant qu'on y est, prends mon eau. Hein, forcément. Ok, j'attends qu'il arrête de pleuvoir. Je vais réparer mes murs. Je vais voir si je peux me refaire quelques flèches. Puis, bah, on est parti quand il fera beau. Parce que là... là, c'est pas la peine. Et j'aimerais bien aller faire pouf-pouf dans l'eau avant qu'il se mette à neiger et qu'on arrive en hiver. Donc, bon. Bah, c'est parti, hein. Je me mets en mode Bob le bricoleur. Ok, les murs, je me suis refait une... ouais, je dois avoir 16 flèches sur moi. J'ai repéré un caribou dans le coin, là-bas, en face. Je sais pas s'il y a encore. J'ai déposé tout mon matériel, histoire de... de pas le perdre si je meurs. On va aller voir s'il est toujours là. Et puis je vais voir où ça en est au niveau de l'énergie. Quitte à aller taper un ours dans le coin si je retombe pas sur mon cerf pour avoir du gras. Comme ça on pourra relancer l'énergie parce que je sais pas du tout où j'en suis. Je vais déjà aller choper la caisse qui est en face. Et puis après on va aller voir si le caribou il est pas remonté au-dessus. Ok, j'ai récupéré du... j'ai récupéré de l'huile. Je vais aller voir l'autre caisse là-bas au fond. Puis bah écoutez, voilà. Hein, j'ai mangé aussi une petite fraise. J'ai trouvé une petite fraise. J'ai mangé quelques petits légumes et compagnie là. J'ai récolté ce que j'avais aussi. Et qui avait poussé. Ok, nickel. Une petite barre et une graine. Ouais, je sais pas s'il est passé au-dessus. À moins qu'il soit là-bas. Non, ça c'est un loup. Ok, on va aller voir s'il est pas planqué au-dessus. Et si franchement il peut se rapatrier vers chez moi, ça pourrait être pas mal. Là aussi ça a l'air d'être un loup. Je sais pas où il est passé, j'espère qu'il s'est pas fait tuer par des chasseurs. Ok, bon là pas d'huile. Ok, là il y aura un ours au pire des cas. Bon, ça fait un peu loin de la maison par contre. Ah ouais, il s'est peut-être fait tuer par un...
justement par le par le par l'ours. Il y aura une petite fraise, on va la prendre. C'est la saison. Ah, mais pas de serre. Pas de serre. Et l'ours là, il est un peu loin. Je sais même pas si je vais réussir à le rapatrier jusqu'à chez moi si je le tatane. Et je sais pas si de l'autre côté. Je vais voir si de l'autre côté il y en a pas qui sont plus près. Comme ça m'évitera de cavaler à l'autre bout de la terre. Je vais aller voir et puis on se retrouve dès que j'ai repéré ma proie. Ok, il y aura un ours là-bas en face. Je sais pas si je vais réussir à le rapatrier jusqu'à chez moi. On va tenter le diable. Sachant qu'en plus je suis à 900 et quelques d'énergie. J'ai rebalancé l'huile que je venais de récupérer. Donc on va essayer de le tatane et de le rapprocher de la maison. Puis on va voir si ça passe ou pas. Je sais même pas si d'ici j'arriverai à lui mettre une flèche. Ah si, parfait. Comme ça moi je peux cavaler. Et je vais monter sur ma terrasse. Ah, je sens qu'il est derrière moi là. Allez, c'est parti. Allez. On finit à coup de hache, comme ça on fait des économies. Merci bien. Et là, je peux me rincer les mains direct. Ouais, j'ai plus qu'à réparer par contre. Ah, c'est génial. Et je vous avoue, c'est génial. Donc là, ça va fondre gentiment. Merci bien. J'ai pouvoir me faire plaisir en mangeant aussi un bon gros bout de viande. On va remettre ça. Hop, parfait. Avec un peu de chance, on va pouvoir se lancer direct derrière notre petite station. 1095, les jeunes. On est à 1095, c'est parfait. Là, on n'a plus qu'à croiser les doigts qu'on se fasse pas attaquer entre-temps ou je sais pas quoi. Ici, ça pousse tranquillement. D'ailleurs, ouais, ce que je voulais essayer de refaire, en attendant, c'est prendre ça et essayer de le clipser. Je sais pas si ça va passer, mais ce serait pas mal, c'est que j'arrive à m'éloigner un petit peu du ponton. Par contre, faudrait pas que ma viande elle crame entre-temps. Il va falloir que j'aille me rechercher une nouvelle poule parce qu'il y en a une qui est passée niveau 10 qui m'apporte plus rien du tout. Je sais pas si là ça a commencé à fondre. Si, parfait, il y en a deux. On peut peut-être commencer à essayer de booster comme ça. Parfait, parfait. Par contre, mon plancher aussi, il a pris un peu de tarif là. Ça en met du temps à cuire. Ok, bon, on va attendre, hein. Ok, c'est cuit. Je vais pouvoir me remplir la bedaine parce que là, niveau viande. Ah, nickel. Ah, c'est augmenté. Par contre, j'ai soif. Si tu pouvais boire, ce serait pas mal. Alors, on va faire ça comme ça. Et ça, là, je vais la prendre avec moi. Je remplis mes trois petites bouteilles là. Et puis après, on essaie de s'installer le ponton. Et j'essaierai de réparer après, moi. Allez, laisse-moi sortir. Merci. Ah, c'est relou le bug de texture là qui nous empêche d'avancer. Avec un peu de chance, on va peut-être pouvoir aussi se faire les bouteilles d'oxygène, ce qui serait peut-être pas mal. Donc ça, c'est bon. Ça, je vais le ranger. Et je vais récupérer tout ce qu'il faut pour faire la station. Donc ça, c'est pour les bouteilles d'oxygène. Et ça, c'est pour le matériel de plongée. Je suppose qu'il va falloir réparer aussi au bout d'un moment. Donc c'est nickel, quoi. Je sais pas ce qu'il faudra pour réparer. Et je sais pas si là, j'ai assez. Au pire des cas. Et je vais en prendre deux autres. Et je vais balancer ça dedans avant que ça s'éteigne. Alors, ça donne quoi? Ouais, nickel. J'ai pu. Et là, j'ai pu balancer les deux aussi. Et je vais reprendre mon petit bout de plancher. Donc 6.
Ah, si tu te clipses correctement cette fois, ce serait formidable. Vas-y, fais-moi une petite rotation là. Six. Pourquoi tu veux pas faire une rotation? Vas-y, fais-moi une rotation. Allez, viens te clipser là. Clipse ton bord. Pourquoi ça veut pas rotate là? Ah oui, c'est parce que je me gourde de touches, c'est plus le pavier numérique, mais c'est les touches directionnelles. Ok, parfait, là c'est passé, comme ça je peux m'éloigner encore un petit peu. Alors par contre, ça je sais pas si je vais pouvoir le mettre au pire des cas, ça. Faudrait que je le foute entre les deux en fait. Faudrait que je passe là. Et là, ça se clipse, hein. Si j'arrive à le foutre carrément à la place du truc là. Ah, si je défais ma planche. Fais une petite rotation. Et viens te clipser sur le côté. Je vois pas pourquoi ça veut pas se clipser sur le côté. Je vais faire ça comme ça sinon. Ah, mets-toi là. Ah ouais. Ah, l'autre il est carrément là-bas. Ah, attends, faut que je te remette. C'est l'autre qu'il fallait défaire. J'ai pas pris le bon. Ah, parfait. Remets-moi ça là. Et là, faut pas que je me loupe. J'espère que je vais enlever la bonne partie. Vas-y, clipse-toi au pire des cas. Ouais, faudrait que j'arrive à en foutre un petit sur le côté. Ah, il manque pas grand-chose, quoi. Il faudrait que j'arrive à décaler la structure pour qu'elle vienne se clipser à l'autre. Je vois pas pourquoi là ça veut pas se clipser à. Ah, ça veut se foutre dedans, c'est pas possible. Au pire des cas, faudrait que je vienne me clipser sur le bord là. J'ai foutu ça là en attendant. Mais bon, je vais essayer de remanier là. Au pire des cas, peut-être à voir si je peux pas en foutre plusieurs à la suite et recontinuer à faire un petit ponton. Ça, je vais le remettre après. Et je vais voir si le matos il est sorti. Ah, parfait. Je sais pas du tout comment ça s'équipe. Lâcher, faut juste l'avoir sur soi. Ouais, vous êtes sérieux, les jeunes? Attendez, faut que je prenne des soins, les jeunes. 7. Ah, loupé. Ah merde, j'ai plus de balles. Ah, loupé. Ah, il a tué son pote. Énorme. Énorme, il a tué son pote. C'est juste insane. Des barres de rire. Ah, j'espère qu'ils étaient bien que deux. Ok, bah écoutez, c'est là-dessus qu'on va se laisser. J'ai envie de dire, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Merci d'avoir fini ton pote. C'est fort aimable. Merci à vous les jeunes de vous être auto-tués. Et puis si vous ne voulez pas louper la suite de nos aventures sur Subsistance et les autres jeux présentés sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela. Je vais essayer de faire remonter mon énergie pour qu'on se fasse le plat. Comme ça, la prochaine fois, on ira se faire une petite séance de pêche. Ou du moins de plongée. Et puis, pendant que ça se fera, et ben, on fera sortir notre plat. Et on installera aussi notre station de garde-chasse. Sur ce, je vous laisse. Survivez bien. Ciao, ciao tout le monde. Excellent! Oh, donc, il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt. Les doigts. Allez, il me faut une personne, par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour.
qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil? Un authentique héros! Vite! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau!